Colonel comme celle-ci, ou le, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation. Mais dans cette audience solennelle Je vous interromps tout petit peu pour dire à tous les téléspectateurs que le magistrat suprême est en train de faire son entrée ici au Palais du Peuple. C'est pour vous dire que dans quelques instants, les choses vont commencer. Et Maître Benjamin Wenga. Maître Willy Wenga, parce que Benjamin Wenga est un ingénieur. Oui. Maître Willy Wenga, c'est qu'il y aura trois discours. Il aura trois discours au cours de cette manifestation d'aujourd'hui. Le premier discours, ça sera d'abord le discours du bâtonnier national de l'Ordre national des avocats, qui est un partenaire important pour la justice. Michel Chebele va prononcer un discours important. Et je suis sûr et certain qu'il ne manquera pas de nous entretenir sur ce qu'on appelle la protection de l'avocat. Je suis sûr et certain qu'il va manquer de revenir là-dessus. Après le discours du bâtonnier national, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Vondé, va prononcer son mercurial. Et ce mercurial est très important. Parce que je suis sûr et certain qu'il va développer une théorie par rapport au rôle du magistrat dans la phase préjuridictionnelle. Je ne connais pas encore tellement le sujet, mais je suis sûr et certain qu'il ne s'écartera pas de la phase préjuridictionnelle. De la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, Elie Ndomba, va prononcer son discours magistral, sa leçon inaugurale. Et cette leçon, ça sera sur une question de droit. Le mercurial, c'est une question de droit. Le discours du gouvernement national, c'est sur une question de droit. Et à l'issue du discours de M. le premier président de la Cour de cassation, celui-ci va déclarer ouverte l'année judiciaire nouvelle et il va autoriser la Cour de cassation de reprendre les travaux, comme pour dire fini les vacances. Et à travers ce mot-là, le commandant, le lieutenant-colonel, le commandant, 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 le comm
Conseil d'État, les coûts constitutionnels, les coûts de cassation à travers le monde. Mais ce qui est important ici, c'est qu'au niveau du pouvoir judiciaire, vous allez voir que ceux qui sont habillés en rouge, en blanc, et quelques rouges au niveau de leur tenue, ce sont le chef de juridiction et le parquet généraux pour le cours d'appel. Ceux qui sont habillés avec fourrure de léopard au niveau du chapeau sont les présidents des tribunaux de paix, des grandes instances et le parquet y afférent. Et vous allez voir tout à l'heure, la cour de cassation va faire son entrée, ils sont tous habillés en rouge blanc. Et vraiment le rouge, toute la robe est rouge. Degré suprême de la haute juridiction judiciaire parce que c'est la juridiction de cassation. Vous voyez, c'est ça. C'est pour que je son entrée dans cette salle, nous aurons l'occasion de vous. Alors, il y a une question pratiquement rapide. Vous êtes toujours, comme on dit, qui dit la loi. Qu'est-ce qui fait que les magistrats, lorsqu'ils prennent quelqu'un au parquet, ils mappent et puis plus rien ne suit après? Cher ami, il faut reconnaître, c'est que les magistrats de parquet convoquent beaucoup de gens. Ils convoquent beaucoup de gens et ceux qui sont arrêtés sont moindres que ceux qui rentrent en liberté. Parce que si vous regardez les invitations que le magistrat du parquet lance au fait de réquisition d'informations ou au fait de dossiers qui sont déjà enregistrés dans le registre du ministère public qu'on appelle le RMP, le nombre de gens qui sont convoqués au parquet et rentrent à la maison sont plus nombreux que ceux-là qu'on place sous mandat d'arrêt provisoire. Mmh. Et lorsqu'on place les gens sous mandat d'arrêt provisoire, qu'on dit MAP, MAP signifie mandat d'arrêt provisoire. Lorsqu'on place quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, c'est parce qu'il pèse sur lui des indices serrés de culpabilité. Et les magistrats, à le placer sous mandat d'arrêt provisoire, ils l'envoient en maison de détention. Ici, chez nous, on n'a pas de maison d'arrêt. On n'a pas de maison d'arrêt. Nous, on n'a que la prison directement. Or, partout ailleurs, il y a d'abord une maison d'arrêt où on met les personnes qui sont placées sous mandat d'arrêt provisoire. Et lorsque le juge envoie la personne devant, et lorsque le ministère public constate qu'il y a vraiment des infractions, il faut qu'on juge la personne. On l'a entre la maison d'arrêt et la maison de détention. Il y a des cérémonies qui se passent. Il comparaît. Dès qu'on les condamne, il change de maison d'arrêt à la maison à la prison pour maintenant passer son temps. Alors beaucoup de choses qui se passent dans l'instruction du ministère public ne sont pas connues par la population parce que c'est une procédure inquisitoire. Inquisitoire signifie une procédure qui ne se fasse pas en public. Contrairement au juge, lorsque le juge est en train d'instruire une affaire, tout le monde peut entrer au tribunal, tout le monde peut voir, tout le monde peut suivre un procès, mais le travail du ministère public, ce n'est pas un travail public. C'est un travail caché parce qu'on dit que l'instruction reste secrète. Oui. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, après avoir arrêté quelqu'un, on ne sait plus ce qui s'est passé après. Parce que tout se passe en secret. Voilà. Alors, dans les réformes qui sont entreprises dans le pays, pourquoi on ne penserait pas à faire aussi des maisons d'arrêt au lieu directement de prendre quelqu'un, mapper directement la prison? Et cette réforme-là, je pense qu'elle doit être en cours. Et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, doit avoir ça en priorité, surtout avec sa politique de désengorgement. Avec cette politique-là, la meilleure manière de désengorger les prisons, c'est de construire de nouvelles prisons. Et cette fois-ci, en construisant de nouvelles prisons, on doit d'abord construire des maisons d'arrêt et des prisons. C'est-à-dire, on construit une maison d'arrêt pour les détentions préventives et des prisons pour les personnes condamnées. Et ça, je pense que ça demande le moyen et la volonté politique. Et la volonté politique et les moyens, on n'en manque pas. Je pense qu'on va y aboutir si le ministre de la Justice est doté de ces moyens-là et d'un projet efficace à défendre.
Maître Willy Wenga, merci beaucoup pour toutes ces précisions. À tout moment, on aura besoin de vous pour suivre en direct cette rentrée judiciaire. Je vois que les choses se précisent maintenant. Oui, ça c'est les hauts magistrats qui rentrent ? Oui, ce sont les hauts magistrats de la Cour de cassation qui sont en train de faire leur entrée. Le premier groupe que vous êtes en train de voir là-bas, ce sont des magistrats, donc des juges du siège de la Cour de cassation. Et ils sont très nombreux, vous allez voir une série qui va continuer. Et après le juge, vous allez voir le magistrat du parquet général pour la Cour de cassation. Et le juge de la cassation et le magistrat du parquet général pour la Cour de cassation, étant tous de même grade, leur tenue ne se diffère pas. Voilà pourquoi vous ne saurez pas parmi eux qui est juge, qui est magistrat du parquet, mais tous portent la même tenue comme aujourd'hui. De la même manière que le premier président de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation, tous deux comme étant de même grade, vont porter aussi la même tenue. Toutes les précisions, on n'a pas envie de lâcher Maître Willy Wenga pour cette rentrée judiciaire, tellement les choses deviennent très importantes. Donc on ne sait pas les différencier, comme ils sont en train de rentrer. C'est pour dire que dans quelques instants, les bonnes choses vont commencer. Et est-ce que ces discours, que les discours, la mercuriale, l'allocution, est-ce que tous vont revenir sur un sujet d'actualité en RDC? En principe, chacun est libre et choisit son thème selon ce que lui voit comme besoin. Le premier président aura un thème qu'il va développer. Sa leçon d'aujourd'hui portera sur un thème qu'il a choisi librement et qu'il sait pourquoi il est choisi. De même, le ministère public, ici incarné par le procureur général pour la Cour de cassation, dans ce mercurial, il va aussi prononcer un discours qu'il estime être un besoin pour le moment que la population doit comprendre. Le bâtonnier national va prononcer aussi un discours qu'il considère comme nécessité pour que et les magistrats, et le magistrat suprême, et les magistrats de la Cour de cassation puissent suivre en direct. Donc il n'y a pas un carnaval, ou bien il n'y a pas que ils se comprennent tous, hein, pour savoir si chacun choisit selon qui. Non, ils choisissent leur thème différemment par rapport aux besoins. Merci beaucoup, Geneviève. Nakikongo, Balandi, comme on dit, les gens qui nous suivent en ce moment peuvent entendre quelque chose. Vous avez suivi quelque chose. Maître Willy Wenga a pratiquement tout dit, il a différencié. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent en Kikongo maintenant? Seleka bapanga luzolo betena kumona baya ikena kukota na kati ikena kukwenda vuanda na bakiti ya ibame tudila bau na ntuala bame vuata bambuela ya mbuaki bau nyonso bake bayankaka ya parke bayankaka bake ba jij mwanye ya kuzabila ke andiai ke magistra andiai ke ya jij ya kelevi samu mba unyoso ba mevua tabilele ya mutindu mosi kasi ba unyoso bake na kifanusu mosi muenda tuba ba gradia ba uwayake mutindu mosi ya vuanda baina ya parke ya vuanda bazuzi baina kena kumata na zulu samu mba kuenda vuanda na bakiti ina ba metudila bao sereka betu monaka mfumu ya inti anime kumaka deja anime kuma fiyote mebika na kana bami manisa kuvuanda mfumu ya inti mpe andike kuta samu andikuza vuanda na kati ya mambu nyoso tu yai keluta na kati na kisika yai samu yandi kentuadisi ya tetetete gina metadila mambu ya bazuzi teleka na kati ya ba mambu ina kitu bama awa betu kebaka batu zule ya mvimba ya ngudi kebaka ndinga ina kitu bato bandinga tatu ya mvimba ina baki tuba ina baki tuba awa baki baka ndinga baki tuba ya ke musi ya ndiki baka ndinga samu na kupesa di longi ina ndi bongi saka na mutindu ba mambu kena kulutila na kati ya inti ya beto to di banza ina kena yandi ina ndinaka tubila ba ntwadisi to ba ba zuzi ba unyonso ba tuachamusuli ambote mutindu betike tubaka na Kikongo ba unyonso ba kela ndakana yau na tangu andike baka ndinga andike tendudila bau mabanza ina ina ndike tuba andimosi mpe na manima
yake procureur général ya cour de cassation yandi diaka andike baka ini yandi ndinga ina baki tubaka mercurial nandi inandike tendula nakati ya bazuzi nyonso sambato malandaka na yau na mutindu mosi ya kufuana mpe ya mbote bampanga ya luzulu yai yake diambu batu ya tamsulu ya mbote bake baka kadilongi mbula nyonso na tangu baki na kuvutukila malongi ya bau na tangu baki na kuvutukila bisaba bau na tangu baki pesa dilongi ina yake sadisa bau yao baki tambudila na yao mbula nyonso yai baki sala bisalu seleka baki kuenda ka pemisa nzutu kifanusu bana ya kalasi bami kuenda pemisa nzutu bosi na manima baki kuza vutukila ya bau bisalu na tangu yai baki vutukila bisalu ndeba mambu nyonso ina ya tambusulu ya mbote ya mibanda pangia mu Charlotte mepesa ngependinga. Tosa kujila Geneviève Kumba, balondi ba yatanse mi abiyo sini usangani bwa kumbu jima iwa balenge la bakushinta jiminu na shukana ngamalandu wa shiga mchimanga cha mulamba. Tuji basangani bwa fa, muonda mwazubu wa pali du peuple, mwaba uji bandumbulu labane na batuba jitudiba bikile sekuru de kasasuwe ni bwa kupinga nina mi jimu ya bu. Mvwa munu tapilaka joshe kuntu wa jishiri munu ambile bwa se. Mwuji ama tukujikumi na tanu, angondu wa muonda mkulu yonsu, chikondu chitu bandumbulu labane. Nena baya mujukisha masombele pinga na mungondo wa jukumi mtu kaji mungondo wa jukumi lelo wa jama tuku jukumi na tano mbona kwa mbana batu benza mungondo ibiji kaji mbwa kufinga na bu batu benza jifinga na jinena fumu wa jitunga unokuba tangila mwabawu kaji mwana kufika chefila pela ujifambe lwa po mwana kubwele mubilo bienda utangila hende nda mbiji mwanta nta mkesa kumpaleku ni abwele mwabia buwale buwa chibilo chibwa kubangisha chibikengele buwa se mwana ntanda anji kubwele buwa se chibili shibani shibali ya mwine kindumbulu lumukulu wajitu ngajia kongwa munga lata butu jinabu mbwa kuna mvise sebani libasu mwana basu mbwa mfuali bila ambibi kuunza kumpala kwa kanaka bajiba vibikleni mbandumbulu bakulu wanyi ba au magistra buwabu wabu mfuali bila ambibi kuunza buwabu bina kibena Sibuya yebo bachi bangu wansamba bako shiba bilumbu ni balumbu lishiba bantu mwabiru mbatu ambila buwasie ni benze miyuki isatu mine na kujibene tuba jitutu tupika ni kuru de kasasuye tutu di balumbu la kujumuka yenge eli leondo mbakabea yeye kimulumbu juwa tuba jitua kuru de kasasuye kajumuntu watu alisha kwenze miyuki wakumpala mpala kini yeye nasha ni batu alisha kwenze miyuki uu kujumuntu wakumpala waweza buwa kumvuje kifa shile kitu katu libatu ilane tona kumuabiru kikale ini buwa kwenza muyuki yu miyei muyuki wenda miyei awuvuja chitu libafikila ni nanga nakula kapajimianda iditangila mbundungulu labu wabu mvububaya mjikisheni mjibafinga na malo wajibubenza malo mashire shilangani ujibu kikale ini buwa kwa kule nanku niye mvu kwa kule kabiji kujipu kirea wa tunatuba jitwa kude kasa suye unuku niye ya niye akula wenzihe ndu wende mwiku wajibu amba niye ye kutu ni jija kutula mwalu niye ye kusu mbilo wanta mafanga jika manina ajatangila nyanda ya bandumbulula mtu wandike ili wafu kwenza mwiki ini ikala mkalinga elile ondo mbakabia ye inyanga tajiji mwali ye ikimulo mbojo tu inatuba jetu nungu nubwa kwenza kani mwenye buwasi mwiki ikala bunu buwa kwenza kato inabanshi kuhimanya nasha bajiba tuleje ni nipa kula pa malu mani na ajatangi ila bundu mbulu la munda mwajitu nga jetu ni mwiki wenza bu kiwa filanjila wakulonda buwa chidimucha mwajimucha ikala bunu buwa kutuwa jetu nungu bawetu umusangu mvule patu sombele tuakula mnyanda ya bandu mbulu la tutu ya kule ni yaba bajibai manye bajibai shukuluja wali bwate tutu dibaka muna kamba kaji tuzi mbimpo kwa kwa kula nyande hii ni bajiba manye mine chidibube nse ni nchini bundu mbula nchini nji nyelilu kwanku kujimulonga shuru tutinanda kubufi mwabewo ye ya ujushinga bwaku fumwaji tunga Felix Antoine Sekisilombo nye ya ukajubwela muzubu wabisangilu wapale di peple mbwa mwakata ntanta mkese uchibilibilwe chichitu ajisha Felix Antoine Sekisilombo duendu jatangendu wakubwela muzubu uchijipambilu mwutandalu wapambilu nye ya uvwa wendu semina mbwa se jifingani gatuba jitunina kajere mwakwenzika ye kaifupu na shabu mjiye mkala ndumbulo mkulu tuba jitujitu enzeka mjabi ajiku. Voilà, le chef de l'État vient de faire son entrée dans la salle, vous le voyez en train d'entrer. Donc, c'est pour vous dire que les choses commencent plutôt. Oui, la cérémonie
vient de prendre la plus belle allure avec l'arrivée du chef de l'État qui est accueilli par la fanfare républicaine qui entonne la mythique mélodie de Nzambe Aponio Salelaye. Donc tu as été choisi par Dieu et voilà le magistrat suprême qui est là et ça va vraiment bientôt commencer évidemment par l'hymne national et puis le protocole va dresser tous les programmes par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà, la cérémonie d'aujourd'hui va bientôt commencer. La rentrée judiciaire à la cour de cassation, le magistrat suprême s'installe. Le président de la République est donc entré dans la salle, c'est pour vous dire que... L'audience solennelle et publique de rentrée judiciaire de la Cour de cassation en chambre foraine au Palais du Peuple est ouverte. Monsieur le greffier en chef, vous avez la parole pour lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. L'audience solennelle et publique de la Cour de cassation. Siège en Corrèze, ce mardi 15 octobre
2024 au Palais du Peuple. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2024-2025. Cette audience va s'articuler autour de points sacrés. 1. À l'audition de M. le Bâtonnier National. 2. Le réveil de M. le Procureur Général vers la Cour de cassation. 3. Discours de M. le Premier Président de la Cour de cassation. L'audience est présidée par M. Ndomba Kabea et Lilian, Premier Président, entouré de M. Ndomba Mukengula Ludera, Oguru Pondo, Bajan Angoya, Kombe Kalala, Président, Ochundi Mungudi, Mananga Ngezi, Kalumba Ilumba et Manji Kadou Kosei, avec le concours du ministère public représenté par Volma Mambo Fermo, Procureur général, et l'assistance de M. Olobe Lobe Mama, greffier en chef du siège. Je remercie aussi le Premier Président du bord de ce jour et vous remercie pour m'avoir accordé. La Cour vous remercie et passe la parole à M. le bâtonnier national pour son allocution. Que j'entends soutenir ce plaidoyer
pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Lui qui est dans sa mission, les défenseurs des droits fondamentaux d'autrui, tout en attirant l'attention de ces derniers sur un fléau qui ronge la justice et qui ruine notre société, à savoir la corruption. Car, pour paraphraser le professeur Edeli, l'homme a tendance, qui gardera le gardien, si l'on veut le gardien lui-même, et à mon tour d'ajouter, qui défendra l'avocat, sinon que l'avocat lui-même est en tête les primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre les pères que je suis. En effet, au terme de l'article 6 de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État, nul ne peut, si l'État avocat, assister ou représenter les partis, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions, sauf dans l'État et selon les modes prévus par la loi. Il s'agit donc là d'une prérogative, ou mieux, d'une mission qui n'est réservée au seul avocat dans notre pays. Et dans le cadre de cette noble mission, la Conférence internationale de barreaux, la CIB en sigle, dont l'Ordre national des avocats de la République démocratique du Congo est membre, a, dans sa lettre de mai de juin 2024, fait hommage aux avocats en rappelant la formule de l'éminente professeure, Mme Hélène Delmas-Marty, qui s'exprimait en ces termes. Je vois le droit comme un processus de transformation et les juristes comme un paysagiste. Par cette formule, Madame la professeure faisait référence à la mission de l'avocat, qui essaie d'intégrer l'exubérance de la nature humaine dans l'ordonnancement qu'elle pose l'harmonie. En d'autres termes, celle d'intégrer les exigences de l'évolution sociale dans le respect de l'état de droit. Mission de l'avocat, pour laquelle Philippe Dumas n'a pas hésité à affirmer que ce qu'il y a de meilleur dans l'avocat, c'est qu'il soit là quand il n'y a plus personne. C'est justement parce que l'avocat constitue le dernier rempart contre l'injustice que sa protection dans l'exercice de sa profession s'avère être indispensable. Pour mémoire, avocat du latin advocatus, du verbe advocare, qui signifie appeler au plus d'eux. De sorte que l'avocat est l'appelé en justice auprès de la personne poursuivie, au fin de la secourir et d'assurer sa défense au prix de sa liberté, voire au péril de sa vie. Est-il absolument nécessaire d'assurer la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession? À la question suspensionnée de la nécessité d'une protection de l'avocat, la réponse est oui, et en est majestueux, car nous parlons du droit de la défense et nous faisons référence à l'avocat qui a mis l'incarnation et le premier symbole. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que dans notre pays, le droit de la défense est garanti à tout être humain par la Constitution, spécialement sur l'article 19, qui dispose ce qui suit. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister des défenseurs de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjudicielle. Elle peut se faire assister également, dit la Constitution, devant les services de sécurité, conformément à ces dispositions constitutionnelles et au code de procédure pénale qui organise ce droit de la défense. L'avocat a la lourde mission d'assister la personne accusée, poursuivie, gardée à vue, privée de liberté par arrestation ou détention. Personne qui se voit reconnaître un certain nombre de droits, à savoir la présomption d'innocence, car toute personne
et présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Le droit d'être immédiatement informé des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend ou avec l'aide d'un interprète compétent. Le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil, ne fût-ce que pour que sa famille connaisse les lieux de sa détention et puisse s'enquérir de sa situation et de son état, ce qui peut rapidement apaiser les membres de sa famille. Le droit de voir sa garde à vue n'est pas excédé 48 heures et qu'à l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Le droit de bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. La vie, la santé et la dignité de la personne arrêtée ou détenue sont toujours les préoccupations de la loi. Le droit de ne pas être distrait ou frustré contre son gré du juge de la loi de la cible. Le droit de voir sa cause être entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et qui ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme au motif et selon la procédure déterminée par le code de procédure pénale. Enfin, le droit à une juste équitable réparation du préjudice causé par une arrestation ou une détention illégale. Vous comprendrez donc que la nécessité de voir l'avocat exercer librement sa profession à tous les niveaux de la procédure pénale et ce, sans obstruction aucune, afin non seulement de défendre les droits fondamentaux d'autrui, mais aussi afin d'éviter certains abus de procédure qui sont toujours possibles, car la justice humaine est faillible. D'ailleurs, il est généralement constaté que dès que la présence ou l'assistance de l'avocat est refusée durant l'instruction préparatoire, ce sont des suspicions, souvent infondées, qui naissent et qui fusent de partout, criant à l'arbitraire et à l'injustice. Certains justiciables vont jusqu'à demander l'annulation de procès-verbaux d'interrogatoire obtenus sans la présence ou l'assistance d'un avocat. Arrêter ou détenir un avocat dans l'exercice de sa profession, c'est porter un coup à la démocratie. Car un état de droit protège toujours celui qui défend les autres, celui qui défend autrui dans le strict respect de la loi et ce, à cause de la fonction qu'il exerce et qui est organisée par la loi. Car l'accès à l'exercice de la profession d'avocat en République démocratique du Congo relève du domaine de la loi. C'est donc ici l'occasion de rappeler que l'assistance de l'avocat, tel que prévu dans notre Constitution, ne peut donc pas constituer un danger ou une menace pour la vie sociale, et encore moins un élément perturbateur de l'instruction en cours, mais plutôt une garantie pour le respect des droits de la personne accusée, poursuivie, gardée à vue ou privée de liberté par arrestation ou détention. La présence de l'avocat durant cette phase d'instruction voulue secrète n'enlève nullement le caractère secret, l'avocat étant par son état tenu au secret professionnel. En mon humble avis, les dispositions constitutionnelles et légales relatives aux droits de la défense devraient être respectées et ne devraient pas souffrir de leur application dans l'intérêt de tout justiciable. L'avocat est et sera toujours aux côtés de chacune et de chacun de nous dans les moments les plus difficiles de sa vie, car le droit de la défense est sacré, droit auquel il ne peut être dérogé, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé, ainsi que le dispose l'article 61
de votre constitution. Protéger l'avocat, c'est donc se protéger soi-même. Car c'est le même avocat qui défend le civil, le policier, le militaire, du plus gradé au dernier des soldats. C'est le même avocat qui défend le magistrat du siège et le magistrat du parquet, appelé parquetier dans le langage du parquet. C'est le même avocat qui défend l'officier de police judiciaire, l'inspecteur judiciaire, le greffier du siège de justice. C'est le même avocat qui défend l'agent des services de sécurité, civil ou militaire. C'est le même avocat qui est commis d'office par les cours et tribunaux civils et militaires pour défendre les prévenus par le droit traditionnel du manège. Et c'est le même avocat qui est désigné d'office par le barreau pour défendre les indigents, civils ou militaires. Chaque barreau ayant un bureau de consultation gratuite pour les indigents. Et ce, malheureusement, sans aucune subvention de l'État congolais. Alors que les indigents défendus par les avocats des différents barreaux de notre pays sont ceux de l'État congolais. Qui, dans le cadre de l'assistance judiciaire ou de l'aide légale, a le devoir de prendre en charge les frais et les honoraires des avocats pour assurer leur défense, eux qui sont pour la plupart appelés les pupilles de la nation congolaise. C'est le même avocat qui défend les députés, les sénateurs, le ministre, les femmes et les hommes politiques, ainsi que ceux de la société civile. Et balayant mon regard dans cette salle, je vois des femmes et des hommes qui ont recouru, qui recourent encore et qui recourront à l'avenir, j'en suis sûr et certain, au service de l'avocat. Qui pour défendre son honneur? Qui pour repousser les atteintes contre sa liberté? Qui pour défendre son patrimoine? Qui pour défendre sa vie? Ou alors les mêmes voix s'agissant de ses proches. En fait, c'est donc le même avocat qui défend tout le monde dans notre pays, toutes conditions sociales confondues. Mais hélas, il est parent d'apprendre par-ci par-là l'arrestation ou la détention d'un avocat dans l'exercice de sa profession. Lui qui doit défendre son client sans crainte de représailles et surtout pas sans qu'il soit confronté avec son client. Les justiciables ont intérêt à avoir l'avocat qui défend leur droit de leur être suffisamment protégé, car l'avocat ne constitue pas l'extension de son client. L'avocat, de par sa mission de défense, contribue efficacement et dans une certaine mesure à l'éducation des états de droit. Il est le gardien des intérêts de ceux qui les représentent en défendant leurs droits et libertés. Et d'ailleurs, il suffit que l'avocat ne soit ou ne soit plus, ne soit pas ou ne soit plus dans un procès pour qu'un tel procès soit qualifié de non équitable. En effet, l'idée fondamentale du procès équitable est l'équilibre. L'équilibre se réalise lorsqu'il y a des parcs de garanties fondamentales dans l'égalité. C'est l'idée même de la balance, de l'équilibre de droit reconnu de part et d'autre. Madame la professeure émérite Françoise Durkans rappelle que le droit d'être assisté et représenté par un avocat est évidemment inhérent au procès équitable. Le droit est un procès équitable consacre le principe fondamental de la prééminence du droit dans une société démocratique. Il est la garantie de tous les autres droits. Et l'état de droit est donc une garantie démocratique essentielle. Et déjà, Montesquieu soutenait que l'amour du droit est la source du principe démocratique. Il s'est traduit en droit positif par un droit progressif. Le rôle que joue l'avocat dans notre pays est donc d'une grande importance, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, pour les veuves que pour les orphelins, pour les puissants que pour les faibles. Souvenez-vous donc qu'un jour, un avocat vous sera utile et vous défendra. Protégez-le dans le cadre de la justice en tant qu'institution de notre pays. À ce propos, et m'inspirant à mon tour du philosophe français Paul Ricoeur, et spécialement de l'américain
John Watts, dans son célèbre ouvrage « Théorie de la justice », je suis d'avis et je reste convaincu que la justice est la première vérité des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes de pensée. À défaut d'avoir la vérité, poursuivons en forme de la justice, cette justice à laquelle nous sommes tous si profondément attachés. C'est justement dans le cadre de cette justice voulue par tous que l'avocat congolais demeure un acteur majeur pour la démocratie et la défense des droits des hommes. Il est donc impérieux de renforcer le rôle de la défense et d'éviter de mettre en cause la mission de l'avocat et d'aggraver son rôle dans la préservation des droits fondamentaux d'autrui. Car l'avocat ne peut exercer son ministère que dans la mesure où il est libre et indépendant, comme le juge lui-même. Il s'agit là d'un principe absolu d'une bonne administration de la justice. Aussi, la liberté individuelle étant garantie, et que la liberté est la règle et la détention en est l'exception, le souhait le plus ardent de l'Ordre national des avocats est de voir la circulaire numéro 3, par 008, par IM, par PGL, par 2011, du 9 mai 2011, de M. le procureur général de la République de l'époque, relative à l'organisation intérieure des parquets, est effectivement d'application quant au droit d'arrestation et de poursuite des avocats. Au terme de cette circulaire, les droits d'arrestation et de poursuite des avocats inscrits au tableau de l'ordre et les personnes admises au stade préparatoire sont réservées aux procureurs généraux près des cours d'appel. Le ministre de la Justice, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le doyen des avocats, là où il n'y a pas de bâtonnier, doivent être avisés des poursuites. Cette même circulaire poursuit pour dire qu'une perquisition ne peut avoir lieu dans le cabinet d'un avocat en présence du bâtonnier ou du doyen des avocats ou de son délégué et sur autorisation des procureurs généraux près des cours d'appel, sauf flagrant délit. La seule exception qui est prévue est donc le cas de flagrant délit. En dehors du flagrant délit, aucune arrestation, aucune poursuite de l'avocat n'est possible sans décision du procureur général près de la cour d'appel, qui a du reste la plénitude de l'exercice de l'action publique devant la juridiction de son ressort conformément à l'article 77 de la loi européenne numéro 13/011-E du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le fait de réserver le droit d'arrestation des poursuites aux seuls procureurs généraux près des cours d'appel est en réalité une mesure de protection de l'avocat dans l'exercice de sa fonction, lui qui est au fond judiciaire, afin de le mettre à la route de tout abus de procédure possible en matière d'arrestation et de poursuite d'une certaine catégorie de personnes par leur état et leur fonction dans la société. Cette circulaire ne concerne pas seulement l'avocat. Celle-ci concerne également d'autres personnes, notamment les autorités religieuses, les consuls, les médecins et les fonctionnaires de commandement de l'administration publique, des entreprises publiques, des établissements et des services publics, autres que ceux justiciables de la cour d'appel. C'est dans ce contexte de dialogue constructif nécessaire entre les magistrats et les avocats, que par ma circulaire numéro 15/ONAPAR/2024 du 8 juillet 2024, j'ai invité consécutivement à une résolution de la conférence de bâtonnier les différents barreaux de notre pays à mettre en place un cadre fonctionnel de concertation permanente avec les autorités judiciaires dans les ressorts de chaque cour d'appel, afin de favoriser un climat de détente et de confiance entre les mêmes acteurs de la justice de notre pays. Quant à vous, les avocats, mes chers confrères,
Je vous invite à exercer votre profession dans le strict respect des lois et des autorités de notre pays, ainsi que de votre éthique professionnelle. Respecter les lois et les autorités de son pays est un devoir sacré pour tout citoyen et pour tout avocat. C'est dans ces conditions que l'État congolais et les différents parlements du pays vous protégeront. Enfin, en ce qui concerne particulièrement les fléaux de corruption qui ruinent notre société, et sans chercher à éluder tout débat sur ce point, combien il est important de rappeler qu'un bon avocat se limite à plaider la cause de son client et à s'en aller. Et dans ce cas, j'ai eu par ma circulaire numéro 004/06/2022 du 11 juillet 2022 à inviter tous les barreaux de notre pays, consécutivement à une résolution de la conférence des bâtonniers, à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption qui demeure un combat de chaque jour dans l'assainissement des mœurs afin de garantir une bonne justice dans notre pays. Car, comme le disait Éric Varro, les bons avocats font les bons juges. Des bons avocats et des bons juges font certainement une bonne justice. Mesdames et Messieurs de la Cour, je me permets pour de moi de vous rappeler que depuis le 15e siècle après Jésus-Christ, voire bien avant le 16e siècle, les juges étaient payés par les justiciables en termes de cadeaux en guise de reconnaissance d'un procès gagné, comme cela était de rigueur dans le système des épices. Tel que l'a rappelé le professeur Nicolas Bayer-Labanéa dans un article sur l'assistance judiciaire en droit congolais, publié dans le mélange à l'honneur du professeur Antoine Lubers, qui quittait notre pays en 1969. Au fait, le système des épices n'était autre chose que cette pratique judiciaire consistant à faire de cadeaux aux juges après un procès. Et quelquefois, les épices étaient versées avant le procès, afin d'influencer la décision du juge, car la justice n'était pas gratuite. Ce système des épices avait pris fin et la justice, comme institution, a eu à traverser les âges de siècle en siècle. Et depuis lors, le magistrat est à charge de l'État pour sa rémunération dans sa noble mission de dire le droit. C'est à ce propos, et je ne cesserai de le dire, loin de toute émotion, mais en toute rationalité, qu'il me paraît essentiel de mettre d'abord le magistrat dans des bonnes conditions de rémunération, qui soit accompagné d'avantages sociaux acceptables, dans un environnement de travail attrayant, et sous ce statut économique digne et décent, qui l'éloigne justement de toute misère, afin de le mettre à l'abri de toute tentation, quitte en contrepartie à appliquer la sanction contre celui qui s'est compromis, en exigeant la compétence de chaque magistrat, tout en exigeant aussi d'être intraitable sur ses qualités personnelles relevant de son éthique professionnelle, afin d'éviter d'engager sa responsabilité. Car, ne perdons pas de vue que la corruption est un fait social qui peut s'avérer endémique dans une société. Société dans laquelle l'avocat vit et exerce aussi sa profession. Et s'agissant justement des faits sociaux, Marcel Mauss nous enseigne que ceux-ci sont totaux et globaux. Et d'ailleurs, Émile Durkheim, dans une vision holistique des faits sociaux, n'a pas hésité à affirmer qu'il s'agit des choses extérieures à l'acteur et coercitives à celui-ci. Cette approche d'Émile Durkheim s'intéresse justement aux motivations et aux pratiques sociales des individus pris d'une manière collective au sein de la société. Mais ce qui rend compte de cette vision holistique du fait social, il me semble, sauf erreur de ma part, que pour combattre les tels fléaux, il faut plusieurs pistes de solutions qui soient convergentes et qui puissent conserver l'ensemble de tous les acteurs de la justice de notre pays.
pour une thérapie appropriée, une thérapie en profondeur et non superficielle ou cosmétique, qui s'attaque au vrai corps du mal et non à ses effets ou épiphénomènes. Car la protection des droits fondamentaux d'autrui, défendue par l'avocat, dépend de la justice institutionnelle. Dans cette optique de réflexion, je suis d'avis avec Albert Einstein pour dire que la créativité contagieuse fait son ordre tout simplement, de sorte qu'il est possible de trouver ensemble plusieurs solutions qui doivent être convenables à la situation dans le but de garantir l'impartialité des décisions de justice, afin de ne pas donner en prison à Jean de La Fontaine qui, dans sa fable, les animaux malades et la peste, a osé dire que selon vous serez puissants ou misérables, les jugements de vous rendront blancs ou noirs. C'est cette image sombre qui concerne tous les acteurs de la justice de notre pays qu'il faut absolument combattre et faire disparaître. De cette manière, nous pourrons alors espérer venir à bout de ce flot. Au cours de ce plaidoyer et de la haute idée que je me fais de la mission de l'avocat, j'ai essayé de justifier pourquoi il est important de protéger l'avocat dans l'exercice de sa profession et que donc j'ai essayé de défendre la défense pour aider le plus petit de nos semblables. Honneur, espérance et liberté. Tenant compte de tout ce qui précise et pour toutes ces considérations et raisons, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession dans notre pays, mais aussi pour la liberté des travaux de votre cour. J'ai dit et je vous remercie. La Cour vous remercie pour votre allocution, voire plaidoirie, et passe la parole à Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation pour sa mercuriale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Tous les magistrats de la République, ceux qui les représentent à l'occasion de cette audience solennelle et moi-même, sommes très honorés de vous voir, de vous compter parmi nous à cette journée de rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Votre présence, que nous saluons avec chaleur, est un symbole de la manifestation de votre attachement à cette valeur républicaine qu'est la justice. La présente rentrée judiciaire intervient 10 mois après votre brillante réélection à la magistrature suprême, qui vous permet de consolider les acquis et de conduire la République vers des lendemains. Cessez de rappeler que votre vision d'un État socle la justice, sans laquelle il n'y a point de république, de démocratie ni de progrès social. Au nom de tous les magistrats du ministère public, au mien propre et à celui du personnel de l'ordre judiciaire des parquets, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir recevoir ici l'expression de mes sentiments patriotiques et de profonde gratitude. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et honorés collègues, Madame le Premier Président et Monsieur le Procureur général près ce Conseil d'État et très honorés collègues,
Monsieur le Président, Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur Général des FRDC et honorés collègues, Mesdames et Messieurs les députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs les députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Monsieur le Président de la Cour des comptes et Monsieur le Procureur général de cette Cour, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président, Monsieur l'État-major général des FRDC, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, Monsieur le Chevalier des ordres nationaux, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Commandant de la 11e région militaire, Monsieur le Commissaire provincial de la Police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués partenaires et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Bourgmestre de la commune de la Gombe, ou mieux de Lingwala, chers collègues magistrats, Mesdames et Messieurs les agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. C'est avec une immense joie et une grande considération que les animateurs du pouvoir judiciaire vous accueillent en cette circonstance et se sentent honorés de vos soutiens et engagements inestimables à la cause de la justice dans notre pays. Monsieur le Premier Président de la Cour des cassations, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, conformément aux articles 153 alinéa 1er de la Constitution, tel que modifié par la loi 11.002 du 10 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 et 64 de la loi organique numéro 13-011-B du 1er avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à la date du 15 octobre, il se tient annuellement une audience solennelle et publique de rentrée judiciaire de la Cour de cassation, au cours de laquelle le procureur général presse cette Cour prononce une mercuriale. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. J'ai bien dit la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État dans ses relations avec les citoyens. Il en découle que si l'une de ces règles se trouve violée, l'on assisterait très clairement à l'effondrement de cet état de droit. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. L'article 11.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que toute personne accusée d'acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Il s'avère qu'en procédure pénale congolaise, le principe de présomption d'innocence encadre également l'instruction préjuridictionnelle, qui est une phase de l'enquête au niveau de la police judiciaire et du parquet, et qui a pour but la collecte d'éléments qui corroborent l'existence de l'infraction, la découverte de l'auteur présumé, et la démonstration de la participation de ce dernier à la commission de l'infraction. Autrement dit, l'accusé n'est pas déclaré innocent, mais simplement présumé innocent. Présomption simple, renversable au moyen de preuves fournies publiquement et soumis au débat contradictoire. L'officier de police judiciaire ou les magistrats du parquet
compte tenu de la présomption de veiller à ce que les discrédits ne soient inutilement jetés sur les personnes. D'autre part, ils doivent agir avec efficacité dans la collecte d'éléments de preuve. L'objet principal de la présente mercuriale est donc d'approfondir la réflexion sur les principes de la présomption d'innocence et ensuite d'examiner les atteintes y afférentes dans la phase préjurisdictionnelle. L'intérêt de l'étude est de contribuer à la lutte contre les violations des droits des personnes poursuivies en justice, d'écarter tout risque oblitérant la manifestation de la vérité dans un procès pénal et de renforcer la capacité des médias et de l'opinion publique à la maîtrise et au respect des droits humains. La question générale des présomptions d'innocence se trouve qui énumère ceci, qui édicte que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Ainsi, dans notre droit, il apparaît clairement que la présomption d'innocence est un droit fondamental, constitutionnellement garanti et situé dans le bloc de constitutionnalité de notre loi fondamentale, base de notre société. Elle est également une règle de preuve, en vertu de laquelle la charge de la preuve de la culpabilité d'un individu incombe au ministère public, organe poursuivant, et en cas de substance de preuve, le doute doit absolument profiter à celui qui est accusé. C'est la cristallisation de l'adage « in dubio pro reo ». Concrètement, le principe fait peser la charge de la preuve sur l'accusation. Cette règle n'implique pas pour autant que le prévenu ou l'accusé reste passif, que non. Il devra également apporter des éléments de preuve pouvant établir son innocence dans ses moyens de défense en vertu du principe du contradictoire. Historiquement, pendant très longtemps, ce principe a fortement évolué. La présomption d'innocence bénéficiera par la suite de la dynamique internationale de la protection des droits de l'homme pour revêtir une dimension universelle et régionale. Présentée comme un rempart contre les abus du pouvoir et les injustices, la présomption d'innocence va être consacrée par de nombreux textes de droit international et national. Ce principe fut consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle que nous venons de dire si haut. En son article 11.1 et par de nombreux instruments internationaux. Les exigences par rapport aux droits de l'homme sont nombreuses. Dans les affaires sensibles et médiatisées, où la protection des droits humains est particulièrement mise en évidence, ce principe implique toute autorité doit s'abstenir de préjuger l'issue du procès et qu'aucune personne ne doit porter atteinte par des propos tenus publiquement à la présomption d'innocence de quelqu'un, même en dehors de tout procès. Il convient de relever que cette garantie judiciaire est loin d'être une prime à l'impunité, mais au contraire, elle est un moyen de combattre l'arbitraire. Le principe de présomption d'innocence a des limites. La limite la plus frappante est celle liée à la détention préventive, où quelqu'un peut être mis en état d'arrestation au moment où il n'est pas encore déclaré condamné par un jugement définitif. Qu'est-ce à dire? Nous sommes de ceux qui pensent que pour la défense de la société et la sécurité publique, moyennant respect des conditions légales, l'auteur présumé de l'infraction peut faire l'objet de restriction de sa présomption d'innocence par sa garde à vue ou sa détention préventive, sa liberté absolue constituant un danger pour la société. Il en est également de même pour les infractions flagrantes ou réputées telles, où toute personne peut se saisir de l'auteur présumé, je dis bien, en cas d'infraction flagrante. Toute personne peut se saisir de l'auteur présumé à la condition de le conduire immédiatement devant cette autorité qui est la plus proche. Dans ce contexte, cette personne peut donc se saisir d'un individu poursuivi par la clameur publique ou trouvé porteur de faits constitutifs de l'infraction. Les travestissements de ce principe amènent la population souvent
a lynché le présumé auteur. Un monsieur trouvé en possession de quelque chose qui a été volé, qui leur a été peut-être remis de très bonne foi par les vrais voleurs, se verra ainsi conduit devant une autorité peut-être après avoir subi des sévices sur son corps. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous pénétrer de ce principe de présomption d'innocence. Pendant l'instruction préparatoire, l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public a le pouvoir d'apprécier la culpabilité de la personne mise en cause en vue de dégager les caractères sérieux des indices de culpabilité et de décider s'il est chez de l'arrestation de l'intéressé. C'est la garde à vue pour une durée maximale de 48 heures. Mais que ne constatons-nous pas? Que nos policiers, plus précisément nos officiers de police judiciaire, vont au-delà du délai légal de garde à vue qui est de 48 heures. Et là, ce sont des restrictions, des atteintes plutôt à ce principe d'innocence. Alors, quelles sont ces atteintes? Les atteintes sont entendues comme en cas de violation expresse de présomption d'innocence. Elles existent et doivent être absolument dénoncées. Les mesures de police ou pratiques contre les gangs attentatoires à la présomption d'innocence s'érigent en une véritable barrière pour une justice saine. Il arrive que pour plaire à l'opinion publique et par esprit de gloriole, l'officier de police judiciaire prenne des mesures de police et affiche un comportement attentatoire, des présomptions attentatoires à la présomption d'innocence et partant à la neutralité de l'enquête. Prenons le cas de promener la personne arrêtée, suspendue en son cou, la poule, traversant la ville avec la clameur publique. Il en est de même de l'OPJ qui présente au public et aux médias les personnes arrêtées dans le cadre d'une enquête comme étant coupables et les qualifie déjà de malfaiteurs qui doivent être condamnés. Ici, je voudrais que nous fassions la part des choses entre les mesures administratives et les mesures judiciaires. Conformément à l'article 32 de l'ordonnance qui régit la police judiciaire, l'enquête préliminaire qui est secrète, les officiers de police judiciaire ne peuvent tenir en principe de points de presse qu'avec l'autorisation du procureur de la République, que ne constatons-nous pas sur terrain. Cependant, la seule révélation lors d'une conférence de presse organisée par la police avec les noms des suspects ne suffit pas à conclure à la violation de leur présomption d'innocence lorsque les policiers n'ont pas exprimé leur conviction quant à la culpabilité de ceux-ci ni n'ont préjugé à l'appréciation des faits par les autorités. Compte tenu de l'importance de la règle, le respect de la présomption d'innocence de ce principe s'impose aussi au ministère public, le magistrat du parquet. Ceux-ci, au sein du ministère public, sont, comme vous le savez, les représentants de la société dans les affaires pénales. Par respect au principe de la présomption d'innocence, le ministère public instruit à charge et à décharge. L'article 27 du Code de procédure pénale, qui consacre la détention préventive, émet à la conditionnalité de cette application de la détention préventive l'existence des indices sérieux de culpabilité que la loi réprime d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine équivalente, inférieure à 6 mois de servitude pénale principale, mais supérieure à 7 jours, s'il y a à craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si l'intérêt de la sécurité publique le réclame. Ce sont autant de conditionnalités à l'appréciation du ministère public. Ainsi, porte atteinte à la présomption d'innocence, l'officier du ministère public qui décide de priver un accusé de sa liberté alors que les conditions ci-haut énumérées ne sont pas réunies pour sa détention. Il s'agit là d'une détention abusive qu'il faudra absolument dénoncer. De même, l'interdiction des sorties du territoire national
imposée à une personne qui jouit totalement de sa liberté énerve, sans la violer, la présomption d'innocence. Exceptionnellement, elle peut être de mise lorsque les circonstances de l'instruction peuvent à l'appui le veulent. De même, viole aussi la présomption d'innocence, comme le relève le professeur Kavunja, le fait pour un magistrat instructeur d'exiger du justiciable sans réserve ni nuance qu'il apporte la preuve de son innocence. Lui qui est l'organe accusateur ne peut pas au départ demander à l'accusé de pouvoir présenter les preuves de son innocence. Par contre, le principe de la présomption d'innocence viole le principe de la présomption d'innocence. Le magistrat instructeur qui envoie en fixation devant la juridiction des jugements un dossier pour plaire à un ami ou sous la pression de l'opinion publique, sachant bien que le dossier est fondamentalement vide. Au niveau des médias, des réseaux sociaux et de l'opinion publique, c'est là où il faut dire que les relations entre la justice et la presse ne sont pas sans susciter des difficultés dans la mesure où ils servent souvent en conflit deux valeurs fondamentales que sont les droits à la liberté d'expression, d'une part, et les droits à la présomption d'innocence, d'autre part, tous les deux droits étant consacrés par la Constitution. La liberté d'expression est comprise comme étant un droit constitutionnel reconnu à l'individu de communiquer des idées, des informations de son entourage. L'article 125.A de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de la liberté de la presse en République démocratique du Congo punit conformément au code pénal quiconque viole la présomption d'innocence lorsque les procédures judiciaires sont en cours avant le débat en audience publique. D'aucuns pourraient se demander s'il y a une contradiction entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence. Que non, les deux principes s'accordent en réalité et se complètent. Ils garantissent le droit de chaque citoyen, celui de s'exprimer librement, de faire connaître des opinions et celui de protéger son honneur et sa dignité. Des équilibres nécessaires s'imposent donc entre les droits de l'information et les droits à la présomption d'innocence. Ce comportement s'analyse aussi en faits infractionnels appelés imputation dommageable, faux bruit, dénonciation calomnieuse, à en croire que tout le monde dans notre pays serait devenu juriste, quand bien même il ignore tous les éléments constitutifs d'une infraction. Les réseaux sociaux et l'opinion publique, les médias sociaux, plateformes virtuelles permettant l'interaction et le partage d'informations, occupent une place prépondérante dans notre société moderne. Ces réseaux tels que Facebook, X, Twitter, Instagram offrent un espace virtuel où les individus partagent des idées, des informations qui interagissent. Ils sont le prolongement de l'opinion publique. Leur influence est indéniable. Mais cette présence soulève des débats sur les avantages et inconvénients de ces médias sociaux. Leurs utilisateurs s'intéressent très souvent aux questions de justice dans ce pays, mais sans en détenir tous les contenus, en organisant des émissions et en commentant l'actualité judiciaire. C'est dans ce contexte que plusieurs personnes faisant l'objet d'instructions ou de poursuites sont présentées déjà comme des coupables, les exposant ainsi au mépris et au déshonneur, ternissant leur image, alors qu'aucune décision de justice ne les condamne quant à ceux. Les réseaux sociaux impactent négativement la plupart du temps sur l'administration de la justice. Ils impactent la plupart du temps très négativement. À la longueur des journées, on crie au détournement, sans qu'on ait des preuves à avancer. Et lorsque la justice, alors la vraie, met la machine en marche et aboutit à la conclusion évidente des non-lieux, tout au moins au niveau du ministère public, la rue crie. Et souvent, un fait doit être dit, aussi immoral soit-il, je le dis bien, un fait aussi immoral soit-il, ne peut être constitutif d'une infraction tant que le législateur ne l'a pas défini ainsi.
C'est le principe internationalement connu. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Pas de crime ni de peine sans loi. Cette utilisation abusive des médias sociaux viole profondément la présomption d'innocence qui est, comme nous l'avons dit, une garantie de vie privée. Ainsi, viole la présomption d'innocence une internaute qui qualifie de détourneur un gestionnaire qui fait l'objet d'enquêtes préliminaires ou préparatoires. Tant qu'aucun jugement de condamnation n'ait été rendu, il reste présumé innocent. Et ce qualificatif de détourneur ne pourrait aucunement s'appliquer à lui. En définitive, la présomption d'innocence protège la vie privée de chaque citoyen et donne droit à la victime de poursuivre en justice l'auteur des propos ou des images jugées offensants, diffamatoires ou calomnieux. Prenons le cas de M. Malongo, qui a fini son boulot, qui rentre à la maison. Habituellement, son épouse vient l'accueillir au perron. Il sort de la voiture, ne trouve personne. Il monte les escaliers. Il entre dans la préchambre, dans l'antichambre. Il cherche, il y a l'impression d'aucune âme qui vive. Dans un réduit, il y retrouve son épouse et ses enfants, pratiquement mouillés, en pleurs. Et demander pourquoi cette atmosphère austère, inhabituelle, et tout d'ego, on lui présente un téléphone avec des gros titres. Voilà. Nous avons honte de vous, cher papa, cher mari, parce que vous êtes ceci ou cela. Vous avez tué. Tout ce que tu nous apportes, tu détournes. Et déjà dans les réseaux sociaux, le jugement est compté. Une femme téméraire qui viendrait peut-être accueillir son mari au perron ferait peut-être juste le contraire pour lui dire, monsieur, rentrez d'où vous venez, on n'a pas besoin de vous, vous nous avez toujours trompés, voilà, on a publié sur les réseaux sociaux, vous ne valez pas la peine d'être ni notre mari, ni notre papa. Ce sont autant de dérives auxquelles nous assistons. Le tribunal des réseaux sociaux qui condamne sans le moindre élément de preuve. Et la République démocratique du Congo semble être devenue ce pays des détourneurs. Et lorsque les preuves leur est demandée, ils jasent, ils n'ont rien dans leur gibecière. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents réitérés. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant de terminer mon propos, je m'en vais vous rappeler quelques lignes maîtresses. Après avoir cerné les contours de la présomption d'innocence et formulé une définition telle que généralement admise, nous avons indiqué son évolution historique, son format juridique, ses exigences au regard des droits de l'homme, sans oublier ses limites, avant de faire état des instruments juridiques et relatifs. Il a été aussi question essentiellement de faire une évaluation non exhaustive des différentes formes d'atteinte à ces principes de présomption d'innocence, qui se rencontre chez nous au cours d'une instruction préjuridictionnelle. La présomption d'innocence est une des valeurs essentielles du droit pénal moderne qui est inscrite dans notre Constitution et dans les outils internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Entre un présumé innocent et un innocent d'une part, et entre un présumé innocent et un coupable d'autre part, il existe un écart qui ne peut être effacé que par un jugement définitif et irrévocable d'acquittement ou de condamnation. Il s'ensuit que la présomption d'innocence telle que consacrée par ces instruments juridiques vise à protéger l'individu présumé auteur d'une infraction et s'impose erga omnes.
Elle est une garantie contre l'arbitraire des autorités chargées de la recherche de la preuve et les rumeurs non fondées de l'opinion publique. La présomption d'innocence dans les procès pénals apparaît donc comme la meilleure protection de la liberté individuelle, de l'honneur et de la dignité de la personne humaine. Elle s'oppose en principe à l'arrestation de toute personne avant l'établissement de sa culpabilité. Voilà pourquoi nous avons aussi érigé en principe, pour réviver les acteurs judiciaires du ministère public, le principe qui veut que la liberté soit la règle et la détention l'exception. Des atteintes à la présomption d'innocence mettent en péril certains droits fondamentaux de la personne tels que sa dignité, son droit à un procès équitable et doivent donc être évitées, nous verrons, car elles peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires à l'endroit de leurs auteurs. Parce qu'un état de droit ne se construit pas sur fond de violation des textes légaux qui frisent l'arbitraire, la diabolisation ou l'abus de pouvoir. Il est impérieux que la régénérescence de la justice que prône le chef de l'État magistrat suprême passe par le tamis juridique pour ne faire passer que ce qui est éligible à l'édification, mieux à la solidification d'une puissance étatique et non à celle d'un individu puissant, égoïste, calomnieux, au mépris des valeurs humaines. Parce que, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple. Pour le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, je requiers qu'il plaise la Cour de cassation de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Je vous remercie. La Cour vous remercie. Le discours du premier président de la Cour de cassation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Au terme de l'article 64 alinéa 1er de la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation s'est réunie à l'audience solennel et public au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et les bâtonniers du barreau près la Cour de cassation une allocution. Votre éminente présence qui témoigne de votre attachement profond aux valeurs de la République, à savoir la justice, la paix et le travail, est un véritable honneur à la Cour de cassation. Elle confère à cette audience un éclat particulier et incite les magistrats du siège de l'ordre judiciaire à redoubler d'efforts pour continuer à lutter contre les antivaleurs dans l'exercice de leur mission constitutionnelle de dire le droit. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, je vous exprime toute ma reconnaissance et saisis cette opportunité pour vous renouveler mon engagement à la restauration de la justice, pilier fondamental d'un état de droit, de la démocratie et du développement de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Monsieur le Président du Conseil économique et social,
Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil national des suivis des accords et du processus électoral, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale, Messieurs les chanceliers des ordres nationaux, Messieurs les bâtonniers nationaux, Messieurs les présidents de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Messieurs le gouverneur de la province de Kinshasa, Messieurs le commandant de la 11e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs les magistrats et chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires et agents de l'administration de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis de saluer chaleureusement votre présence en cette audience et de vous remercier pour votre attachement aux activités de la Cour de cassation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Fidèle à l'option levée dans mon discours de rentrée judiciaire 2023-2024, de ne pas faire un exposé académique sur un sujet de droit, je vais cette fois encore, d'une part, partager avec vous ma réflexion sur l'importance du rôle spécifique du greffier, et d'autre part, survoler une petite facette d'une réalité déjà abordée ce matin par le procureur général, mais qui a marqué mon esprit au cours de l'exercice judiciaire 2023-2024, à savoir l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Outre cette réalité, j'évoquerai quelques actions menées depuis ma prise de fonction à la tête de la Cour de cassation. À propos de l'importance du rôle spécifique du greffier, il y a lieu de préciser que l'issue d'un procès repose sur un ensemble d'acteurs judiciaires interconnectés comme dans une chaîne, de telle sorte que les failles d'un maillon de cette chaîne peuvent susciter des critiques adressées à l'ensemble du système judiciaire et souvent aux magistrats seuls. La chaîne judiciaire est constituée du justiciable et ou de son avocat, du greffier ou du secrétaire du parquet, du magistrat du ministère public et du juge ainsi que des huissiers de justice. Cependant, dans le processus de traitement d'un dossier judiciaire, le greffier est celui qui accueille le justiciable ou son avocat à l'entame d'une procédure judiciaire. Ce premier contact est déterminant en ce que par lui prend forme l'orientation de la procédure à mettre en mouvement. Le greffier enrôle les dossiers et les fait suivre dans les circuits judiciaires dès cet instant. Il devient le gardien du dossier et l'interface des autres acteurs y impliqués. Il est aussi responsable de la manipulation et de la conservation du dossier tout au long de la procédure. Chaque pièce versée au dossier passe par les mains du greffier. Il s'assure que rien n'est perdu. Tout est correctement ordonné et accessible aux parties au procès. Son rôle de conservateur est donc central pour garantir la sérénité de la procédure judiciaire. S'il soustrait une ou des pièces, s'il les change par fraude, tout le processus est déjà mis à mal. Par ailleurs, le greffier joue un rôle clé lors du déroulement des audiences. En effet, il prend note à la dictée du juge des déclarations des parties et des avocats. Acte authentique
Ces procès-verbaux sont indispensables, notamment pour vérifier l'état de la procédure, les déclarations faites par les parties, l'avis ou les réquisitions du ministère public et les dispositifs de la décision. Il assiste les juges dans les actes et procès-verbaux de son ministère et les signe avec lui. Exceptionnellement, si un acte, un arrêt ou un jugement ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, les juges constatent l'impossibilité sur l'acte à signer et les signent seuls. Le greffier est intermédiaire entre les juges et le ministère public. Il transmet le dossier au premier et le communique aux seconds. Après le prononcé de la décision, il reprend le dossier pour sa garde et en assure l'exécution dans les limites de sa compétence ou en connexion avec des autres acteurs judiciaires que sont les magistrats du parquet dans les matières pénales et l'huissier dans les autres matières. Enfin, si l'on devait établir une métaphore, le juge serait le capitaine du navire et le greffier en serait le moteur. Sans lui, sans son organisation, sans son savoir-faire, la justice serait paralysée, incapable d'avancer efficacement. Il est donc en toute discrétion. Le greffier est donc en toute discrétion l'acteur principal du processus judiciaire. Sa rigueur, son professionnalisme et son engagement sont les garants du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Au-delà de cette présentation du greffier, force est de reconnaître que dans la pratique quotidienne du palais, nombreux sont les griefs articulés à son encontre. En effet, dans mon discours prononcé à l'occasion de la rentrée judiciaire de l'année passée, j'avais procédé à un état des lieux de l'administration de la justice, lequel révélait plusieurs antivaleurs, dont la corruption et l'indiscipline à charge des différents acteurs judiciaires. Relativement à la corruption à charge du greffier, j'avais dénoncé notamment la dénaturation délibérée des déclarations des parties consignées dans les procès-verbaux d'audience dans le but de favoriser l'une d'elles, la signification des exploits des procédures et des décisions judiciaires à des adresses et ou aux parties imaginaires des connivences avec les justiciables et avocats de mauvaise foi. Quant à l'indiscipline, à sa charge, j'avais indexé l'inexécution des devoirs prescrits lors des audiences, la mauvaise tenue des registres, le retard volontairement délibéré dans la signification des exploits dans les buts d'enliser la procédure, la transmission tardive des dossiers pris en délibéré à la chambre des jugements, la soustraction ou la perte des pièces en complicité avec certains avocats, aux fins de conduire les juges à dire le droit sur base des données erronées et ainsi faire peser sur lui des accusations de corruption. La non-transcription des dispositifs de décision rendus, ce qui donne l'impression qu'il y a retard dans les prononcés, contrairement à la réalité, ainsi que le fait d'acter les appels ou des pourvois en cassation sans production de la décision attaquée, ainsi de suite. En plus de ces comportements contraires à l'éthique, il convient de souligner d'autres pratiques répréhensibles tels que le port d'insignes et des qualités usurpées par certains greffiers, se faisant passer pour des magistrats dans leur résidence ou quartier, avec pour objectif d'extorquer les justiciables. Je crois qu'ils peuvent encore applaudir. Cela inclut également le détournement des objets saisis et des recettes judiciaires. Autant de comportements qui affectent gravement la mission constitutionnelle du juge de dire le droit. Malheureusement, tous les dysfonctionnements causés par ces antivaleurs, œuvres du greffier,
sont imputés par l'opinion publique au juge, que je n'ai pas, dont je n'ai pas l'objectif de disculper par ces discours, étant donné que parmi nous, il y a aussi des antivaleurs, que je n'épargne pas de sanctions chaque fois que j'ai l'information et surtout la preuve de mes faits. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Il y a lieu de s'interroger sur les causes profondes de ces comportements en marge de la loi affichée par le greffier. Au-delà de la corruption et de l'indiscipline, le déficit de formation et celui de la rémunération ou le déficit de la rémunération suffisante me semble en être deux causes non négligeables. À cet effet, l'on se souvient de la création de l'École nationale de droit et d'administration ENDA, en sigle, et de l'École de formation de recyclage du personnel judiciaire, qui avait pour mission notamment le renforcement des capacités fonctionnelles du personnel judiciaire. Dans le même objectif, il a été créé tout récemment l'Institut national de formation judiciaire, INAFORJ en abrégé, mais dont le fonctionnement traîne à prendre du pied. Les deux premières institutions avaient fourni à la justice congolaise des agents qualifiés, mais dont la grande majorité est soit retraité, soit en voie de l'être. En effet, les anciens de l'ENDA et d'autres encore en fonction à ce jour sont pour la plupart revêtus du grade de secrétaire général ou à tout le moins celui du directeur de la fonction publique et sont déjà physiquement et intellectuellement épuisés et donc plus en mesure d'être efficaces. À ce jour, il est indéniable que les cours et tribunaux souffrent d'une carence criante en personnel formé, parce qu'à un certain moment, le ministère de la fonction publique avait affecté au sein des différentes juridictions des agents administratifs non qualifiés, dont plus de la moitié sont non mécanisés pour exercer les fonctions du greffier et sans salaire. Ils vivent et se déplacent pour joindre leur milieu de services avec les fruits de la corruption et ou de la concussion. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, disent-ils, mais sans savoir que les greffiers, donc, ils mangent même l'hôtel. En plus, on observe la présence de plusieurs autres agents appelés « nouvelle unité », alors qu'ils ont accompli entre 10 et 15 ans de service ininterrompu, mais souffrant de la même carence de formation. C'est ici le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à votre Excellence, afin d'offrir à notre jeunesse la possibilité d'accéder sur concours à la profession de greffier dans le cadre de votre politique nationale de l'emploi des jeunes énoncée lors du discours d'investiture après votre brillante réélection à la magistrature suprême. En effet, dans l'état actuel des choses, y accède qui veut, alors qu'une solide connaissance du droit est une exigence fondamentale pour tous les greffiers. Il y a donc lieu d'encadrer juridiquement la profession des greffiers. Il va sans dire que les agents administratifs actuellement en activité qui ne répondent pas au profil requis pourront être utilement réorientés vers la fonction publique pour une meilleure réaffectation dans d'autres services publics de l'État et laisseront place aux jeunes diplômés en droit qui sortent de nos multiples facultés de droit après un simple concours de dictée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux
en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipende à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipende à la journée. Même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents, je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte des quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il vient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, certaines actions avaient été envisagées, notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège, ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. Je vais formuler le vœu de voir le Parlement réviser un certain nombre de textes et accorder des moyens budgétaires conséquents au pouvoir judiciaire. S'agissant de la lutte contre l'action, il y a lieu de reconnaître qu'actuellement, on a de moins en moins de plaintes contre les magistrats judiciaires. Cependant, force est de constater que la lutte contre la corruption dans toutes ses formes, est complexe. En effet, il se développe une sorte de protection mutuelle entre magistrats du siège, justiciables et avocats notamment, par la dissimulation des informations. Il s'ensuit que cette lutte est un effort permanent qui appelle la participation de tous les acteurs sociaux à qui je demande de nous accompagner en dénonçant avec preuve les contrevenants. En ce qui concerne l'indiscipline des magistrats du siège, la problématique des fonctionnements en plein régime des chambres de discipline continue à se poser avec acuité, malgré les efforts fournis par les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature, faute de moyens financiers conséquents. S'agissant du régime disciplinaire des fonctionnaires et agents administratifs du greffe, je réitère ma proposition de voir réviser les dispositions statutaires relatives à leur régime disciplinaire afin d'instituer la possibilité pour les chefs de juridiction de constater toute faute disciplinaire à leur charge et d'enclencher la procédure disciplinaire irrelative. Par ailleurs, au sujet des moyens financiers et des infrastructures du pouvoir judiciaire, je formule encore le vœu de la mise en œuvre effective de l'article 149, alinéa 7 de la Constitution relative à son autonomie budgétaire et de voir le gouvernement s'investir dans la construction et la réhabilitation des palais de justice. J'exhorte le gouvernement de la République à considérer avec la plus grande attention cette problématique et à s'approprier les projets de construction d'un immeuble moderne équipé devant abriter la Cour de cassation ainsi que le parquet général y rattaché. Depuis l'indépendance, si vous visitez nos locaux et que vous voyez les conditions dans lesquelles les hauts magistrats de la République travaillent, ça laisse à désirer. Les poissons pourris par la tête, dit-on. J'ai concentré le plus de mon temps au cours de cette première année à réorganiser la Cour de cassation,
sans bien sûr oublier les juridictions inférieures sur lesquelles je vais étendre pendant l'année judiciaire que nous démarrons aujourd'hui les efforts déjà conjugués au sommet. En effet, plusieurs mesures et sanctions ont été prises pour améliorer le fonctionnement de la justice. Ne pouvant pas les énumérer toutes à l'occasion de cette adresse, j'épingle les suivantes à titre illustratif. 1. Des actions tant disciplinaires que judiciaires ont été ouvertes à charge des magistrats et des avocats. Certains ont abouti à des condamnations et d'autres sont encore en cours. Il s'agit notamment, sous les RP 29988, un avocat du barreau de l'Omami à Cabinda est poursuivi pour escroquerie devant le tribunal de paix de Mbujimayi et le dossier est en cours. Sous les RP 818, un magistrat du parquet de grande instance de la Gombe à Kinshasa est poursuivi pour tentative d'évasion et conjointement avec un avocat du barreau de Kinshasa Matete, ils sont poursuivis pour escroquerie et extorsion. Sous les RP 233, un magistrat du parquet près le tribunal de paix de Kinkole a été condamné à un an de servitude pénale principale pour torture et arrestation arbitraire. Sous les RP 239, trois magistrats de la Cour d'appel du Congo central ont été poursuivis pour corruption et acquittés par la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Sous les RP 35-21, un avocat du barreau près la Cour d'appel Ituri est actuellement poursuivi devant le tribunal de paix de Haru pour faux commis en écriture. Sous les RP 006, un ancien procureur de la République a été condamné à 3 mois de servitude pénale principale avec sursis de 24 mois pour escroquerie. Le 20 juin 2024, par la Cour d'appel du Bas-Zuélé, il est actuellement en appel contre cette décision. Sous le RPA 031, un avocat du barreau de Kinshasa Matete a été condamné par le tribunal de grande instance de Bouta à 100 000 francs congolais pour voie de fait et violence légère. Cette décision a été confirmée en appel le 20 juin 2024. Au Sankourou, encore en instruction sous RMP 1916-PG-070-BN, un président du tribunal de grande instance est poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et sous RMP 1954-PG-070-BN, un magistrat du parquet est poursuivi pour arrestation arbitraire. Pour une fois devant la Cour de cassation, sous les RP 17-CR, RP 18-CR, trois hauts magistrats de la Cour d'appel de Olomami, dont le premier président et un conseiller et un avocat, viennent d'être condamnés à de fortes peines, allant de 2 ans à 7 ans de servitude pénale principale, en plus d'autres peines complémentaires pour corruption et blanchiment des capitaux. Sur le plan disciplinaire, plusieurs magistrats sont à ce jour sous interdiction et les dossiers sont en cours soit devant les chambres provinciales de discipline, soit devant la chambre nationale et pour une première fois au niveau de la Cour de cassation, il m'est arrivé de sanctionner plus de 5 hauts magistrats juste pour mettre fin au retard répétitif qu'il y avait élu domicile par rapport aux heures de début des audiences. À cet effet, les avocats présents dans cette salle peuvent témoigner que désormais les audiences débutent généralement aux heures prévues par notre règlement intérieur. Les greffiers à travers la République n'ont pas non plus été épargnés par des sanctions pour de multiples manquements dans l'exercice de leurs fonctions. Certains d'entre eux ont été réaffectés ailleurs, dans d'autres juridictions, pour permettre la sérénité de travail. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Dans le but de m'empêcher d'implémenter votre vision de lutte acharnée contre le cancer de la corruption, ces antivaleurs qui ont des ramifications dans toutes les sphères tentent souvent, d'une manière ou d'une autre, de m'impliquer dans les affaires sales et imaginaires parfois, soit pour me mêler à leur entreprise, soit pour trouver prétexte
de m'accuser d'être et parti. Hélas, ma détermination est telle que je leur dis publiquement, les chiens aboient, mais la caravane passe. En effet, j'ai interdit aux magistrats des rangs supérieurs d'intervenir dans les affaires sous examen dans les juridictions inférieures parce qu'il s'agit du trafic d'influence. Moi-même, je m'interdis de le faire, sauf mon devoir de contrôle. Mais plus d'une fois, les antivaleurs, lorsqu'ils sont corrompus par les deux parties opposées dans le même procès, pour se justifier, ils disent à leurs victimes qu'ils ont agi sous les ordres de la hiérarchie sans précision, allant jusqu'à citer parfois mon nom ou le vôtre, alors que je l'ai toujours affirmé en privé ou en public, comme je l'ai dit maintenant, depuis que je suis à la tête des juridictions de l'ordre judiciaire, votre haute autorité n'a jamais, alors jamais interféré dans les affaires judiciaires directement ou indirectement. Revenant aux mesures prises, deux, une circulaire relative aux demandes de renvoi des juridictions a été prise afin d'éradiquer la pratique dite masse par les avocats qui consiste à bloquer les procédures avec des suspicions infondées des juridictions. L'obligation à chaque haut magistrat de tenir mensuellement un rapport de ses activités, ce qui ne s'était pas fait plus depuis la Cour suprême de justice. L'obligation à chaque haut magistrat de détenir un registre d'audience et un registre de plénière pour un suivi régulier de ses activités professionnelles. Le lancement pour la première fois du site internet de la Cour de cassation qui n'a jamais existé depuis la création de la Cour suprême de justice. Ce site consacre le début du processus de numérisation des dossiers judiciaires pour éradiquer les tripotages et ou les tripatouillages des pièces de partie. On peut y accéder sur la ligne www.cour-de-cassation.cd. Ensuite de ces activités, la Cour de cassation a aussi mené plusieurs activités non juridictionnelles, notamment la formation de nouveaux hauts magistrats à la technique de cassation et à l'intelligence artificielle. La formation des hauts magistrats aux contentieux électoraux, à l'outil informatique et aux nouvelles technologies de la communication. L'organisation d'une dictée a vu repérer les greffiers aptes à la prise de notes à l'audience. La participation du premier président à la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice de la République du Congo en face. Participation de la Cour de cassation au Congrès international pour cadres dirigeants à Istanbul en Turquie du 30 avril au 5 mai 2024 et j'en passe. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. L'État même parti ne me permet pas d'énumérer toutes les activités entreprises à l'instar des réunions tenues avec les intervenants dans la réalisation des recettes judiciaires en vue de maximiser et ma dernière tournée dans les tribunaux pour enfants de la ville-province de Kinshasa pour ne citer que cela. Que dire en conclusion de mon propos? La rentrée judiciaire est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'exercice judiciaire écoulé et de fixer les objectifs pour l'avenir. Les progrès réalisés au regard des constats établis à ma prise de fonction de premier président de la Cour de cassation sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de notre justice. Je me suis attelé à démontrer que le bon fonctionnement du greffe au sein des juridictions de l'ordre judiciaire est un enjeu majeur pour la justice. Il est indispensable de renforcer les moyens mis à la disposition du greffe afin qu'il puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Cela nécessite la modernisation de l'outil de travail, une formation initiale et continue de qualité, un recrutement optimal du personnel, des préférences des jeunes juristes et une reconnaissance accrue de leur rôle. La Cour de cassation, consciente de l'importance
de ces enjeux sollicite l'accompagnement des institutions de la République. Un autre pilier fondamental de notre système judiciaire mérite d'être rappelé, le principe constitutionnel de la présence. Le respect de ce principe est fondamental pour maintenir la confiance des citoyens en la justice et toute atteinte y portée pourrait gravement éroder cette confiance. C'est pourquoi il m'a semblé crucial que la justice ne se rende pas sur les réseaux sociaux, mais dans les cours et tribunaux, dans le respect de la loi. Persuadé que la corruption ébranle la confiance du peuple congolais à la justice de son pays, je pense que la lutte contre ce fléau doit mobiliser l'engagement et la vigilance de tous les acteurs de la justice, y compris les avocats et les magistrats. Ces derniers doivent impérativement s'affranchir de toute forme de protection réciproque, souvent observée dans certains cas. Cette solidarité mal placée contribue à attirer les informations et entrave délibérément les poursuites. Enfin, je tiens à saluer le travail exemplaire accompli par les magistrats du siège de l'ordre judiciaire ainsi que par les agents et fonctionnaires administratifs du greffe. Je les encourage vivement à redoubler d'efforts afin que nous puissions collectivement satisfaire les attentes légitimes des justiciables pour permettre à votre haute autorité de vous occuper des autres secteurs de la vie nationale sans inquiétude pour la justice. Sur ce, la Cour de cassation entame ses activités pour l'exercice 2024-2025. Je vous remercie et que Dieu bénisse la République. Élevé et la Cour retourne la parole au procureur pour les dispositions protocolaires. Excellence, monsieur le président de la République, ainsi enfin la cérémonie de ce jour. Nous informons l'assistance qu'adoptée sera servie aux invités selon l'ordre ciel. Les membres de la composition, les chefs des institutions et les chefs de corps vont accompagner la présidence de M. le Président de la République, magistrat supérieur. Deux, les hauts magistrats et les bâtonniers seront dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Et trois, le personnel de l'ordre seront dans les halls du Palais du Peuple dans la discipline et inscrivant l'ordre donné par le bâton. Ainsi, nous vous prions de vous lever pour l'hymne national.
Chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez suivi ici, depuis les palais du peuple, la rentrée judiciaire. Une rentrée judiciaire présidée par le président de la République, chef de l'État, en sa qualité.